Puis Miss Pandy. Coucou! Et puis on se retrouve pour donc le hors-série Pandy point numéro 4. Il sera très très court parce qu'on le fait quand même. Ben on le fait pas à la dernière minute, on le fait pas mal à l'avance, mais Miss et moi on sera pas là pour les 3 derniers jours du mois de juillet, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Et personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à l'autre point. Bizarrement, j'ai eu un petit peu de paresse de publier au milieu du mois, ce qui a donné pas de vidéo et qui a décalé un petit peu tout l'horaire. Une grosse cause, c'est la cité médiévale qui se passe quand même pas mal bien, même si les joueurs, à fin de compte, partent parce qu'ils sont en vacances. Et ça, perso, on verra pour la prochaine saison. On essaiera de faire un horaire qui convainc quand même à tout le monde, mais c'est pas forcément très facile. En tout cas, je vais vous parler donc pour tout de suite les séries en cours. Donc les séries en cours, il y aura un KTP saison 1 devrait finir ou sera fini d'ici que ce point sera publié. Il était bien sûr prévu dans le dernier. Moi, malheureusement, il n'y aura que mon point de vue parce qu'on a eu un problème technique pour le point de vue de Miss Pandy. Donc voilà. Il y a Destiny qui va commencer en même temps que les épisodes de. Juste après les épisodes de KTP. Donc il y a Destiny qui va commencer, ça veut dire le 29, le 30. Donc commencer les épisodes de Destiny. Je crois aussi qu'on a un 31, il me semble. On a un 31 aussi. Donc le 31 aussi. Par contre, le 31 sera rentré. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y a pour les séries en cours pour terminer le mois. Les séries à venir, donc je crois que Destiny jouera encore au mois de juillet. On a quand même une dizaine d'épisodes. Donc voilà. C'est vraiment un tour global de la chose. Il y aura du Far Cry et tout, mais ça on verra. Comme je vous dis, ça peut apparaître pendant le mois d'août. Vous pouvez voir que Ding, voilà, il y a un épisode Tom Clancy ou Far Cry. Je concentrerai plutôt Far Cry puisqu'on s'est plus avancé dans Far Cry que dans Tom Clancy. Ça, de nouveau, il faut que je regarde ça au montage. Donc, pour le mois d'août, une série qui est sûre et qu'on va finir à tourner très très bientôt, c'est Planetary Confinement avec Miss Pandy. C'est une map quand même assez fun, donc voilà. J'espère que ce genre de map vous plaira. Sinon, je regarde. Il y a un tournage d'un KTP numéro 2 qui est planifié vers la fin août. Par contre, nous recherchons du monde, donc nous recrutons. Si ça intéresse certains de mes abonnés ou si ça intéresse des gens qui tombent sur ce point, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On vous répondra d'une façon ou d'une autre. Voilà. Normalement, on répond par YouTube ou vous pouvez nous envoyer une adresse, un mail à notre adresse professionnelle qui est sur notre chaîne. Aussi, disant ah, je serais intéressé de participer. Voilà, non, ça. Et ça, on le ferait normalement fin août, le tournage. Donc, si ça vous intéresse, ça serait bien de vous manifester. Si on est assez de monde, je propose même de faire un KTP en équipe de deux. Donc, on... Ce qui serait pas mal. Sinon, vraiment, ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Peut-être qu'au mois d'août, c'est ça, il y a une série comme Far Cry qui va commencer. Ça dépend vraiment où on en est dans la publication. Ça en dépend aussi de mon côté. Pour le moment, je ne travaille pas encore, mais un travail pourrait survenir n'importe quand, bien sûr.
Donc, c'est vraiment à voir avec tout ça, mais je vous tiendrai au courant. Aussi, peut-être un changement un petit peu, j'avais dit, on a notre série sur les serveurs Minecraft. J'ai publié deux, trois épisodes de plus du côté d'Epicum. Il me reste trois jeux sur Epicube à filmer. Et j'ai dit, on va faire une petite pause. Normalement, on devait directement aller sur iPixel, mais le serveur Fantaï Bob a ouvert récemment. Et puis, Miss et moi avons commencé à faire des vidéos dessus. Donc, en fait, j'avais fait toute une vidéo de tout le serveur, mais bizarrement, mon Mac a eu un problème. Voilà, parce que je Il tournais est sur. mort, ce pack. C'est ça, je tournais sur mon Macintosh, donc voilà. Il est légèrement mouru. Mais par contre, on a au moins une vidéo d'un jeu, c'est UHC Fun. Et oui. Il reste partout. Avec Muskinias partout. Qui arrivera probablement au courant du mois de juillet, plus les autres jeux que Miss et moi, on va essayer de tourner en soirée. Donc voilà. Sinon, vraiment, la série avec Nutenkata, c'est vraiment Survold. On en a parlé, ils nous en ont reparlé sur le fait de choix de map. Aussi, j'ai pas de courant de. J'ai le cou... j'ai un... Je suis un petit peu au courant d'une map custom que mon équipe de build a fait, mais pas de l'autre. Donc, ça dépendra vraiment de ça, tout simplement. Petite news aussi, vous avez vu, donc maintenant j'ai un écran vert. Je crois pas que j'avais fait mon dernier point avec. Non. Non. Donc, j'ai un écran vert qui est vraiment super pour les lives. Des gravats qui plus une toile. Ouais, parce que c'est une toile. Une Mais je peux peut-être vous montrer un petit nappe. peu, Donc, par c'est pas de exemple. quoi, c'est une nappe. Ouais, c'est une app. Et par exemple, ici, je vais aller dans le document. Miss! Miss! Quoi? Arrête de faire du bruit. Miss, arrête de faire. Arrête de gaspiller l'air. Oui, Miss aussi a mis du jus sur mon clavier. J'ai pas fait exprès. En tout cas, là, je vous montre un exemple. Donc, j'ai mis une vidéo, voilà. Dans le truc, je mets ma webcam à côté. Et là, il y a la musique qui joue. J'adore cette chanson. Et Miss qui adore sa chanson. Et si je vais. Ah, donc, ici, malheureusement, vous voyez que j'ai quelques petits. Un petit peu de vent, mais sinon vous voyez, c'est bon, allez. Comme vous voyez, on voit la vidéo derrière en arrière-plan. Donc c'est un petit peu à ça que me sert l'écran vert. Bon, là on est en gros plan, donc c'est pas si joli, mais en live par exemple, je suis dans le mouvement, donc. Sans la lumière, ça va mieux. Vous voyez vraiment, on peut me voir. Et c'était un trailer pour ma cité métier. Voilà. Mais vous voyez, je peux faire des lives comme ça. C'est assez cool. Mon écran est quand même assez grand. Bon, là, on voit un petit peu la lueur verte. Ouais, mais faut pas oublier que c'est la nuit, hein. Ouais. Mais quand on achète une meilleure, c'est ça, toile. on pense acheter une meilleure toile. Donc voilà. C'est peut-être un petit peu tout ce que j'ai à dire. Alors, 6 points, 10 points, voilà. Je crois que vous avez vraiment compris ce qui est à venir pour le mois. Et voilà. Donc, on va vous laisser là-dessus. C'était très très court, mais je me suis sûre que vous avez tout compris. N'hésitez pas de laisser un pouce vert, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les dans les commentaires.